Voici l'espace qui fait l'objet de litiges dans le quartier Balkoui de Ouagadougou. Un domaine non loti occupé par des populations qui soutiennent y être depuis plus de 20 ans. Sauf qu'ils n'ont aucun document légal qui prouve que l'espace leur appartient, à part ces petits bouts de papier datant de 2005 qui attestent qu'ils ont été recensés par la mairie. Le maire de l'arrondissement 11 de l'époque leur aurait promis des parcelles qu'ils attendent toujours. Ils ne comprennent donc pas pourquoi des individus viennent entreprendre des travaux sur l'espace. Eux menacent de les déguerpir de force. Nous tous qui sommes ici, personne n'a bénéficié gratuitement de ce terrain. Nous l'avons tous acheté. C'était 60 000 francs CFA à l'époque. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi ils veulent nous déguerpir des lieux. Nous souhaitons que les autorités interviennent car l'affaire de Balkoui est très sérieuse. Ces habitants sont formels, ils ne bougeront pas de ces lieux sans que la mairie ne leur trouve un autre endroit. Nous sommes ici depuis des années. Nous nous sommes mariés ici et avions eu des enfants. Et maintenant, ils veulent que nous quittions ce lieu. Mais pour aller où? Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Joint au téléphone, celui qui revendique la propriété du domaine Querelé a refusé de répondre à nos questions. Un refus qui atteste selon ses populations que l'homme ne dispose d'aucun document légal l'autorisant à exploiter le terrain. Bon, on l'a demandé. Bon, depuis certains moments, ils ont suspendu le lotissement ici. Mais on ne voit pas, on ne sait même pas comment lui, il a gagné son papier où pour venir nous dégrépir et puis construire. En attendant qu'une issue favorable soit trouvée à cette affaire, les populations de Balkoui ont décidé de stopper tous les travaux en cours sur le terrain.